Obsèques de Bernard Pivot, j'étais si fier d'être ta fille. Merci papa. L'émouvant hommage de la famille. Un homme simple, fidèle et amoureux de moi, le petit village de Quincy en Beaujolais célèbre le funérail de Bernard Pivot. La famille, les amis et des centaines de personnes lui rendent hommage. Il pleut sur le village d'enfance de Bernard Pivot. Le cercueil de l'écrivain et journaliste vient de quitter l'église sous les applaudissements des habitants. Quincy en Beaujolais écrit le dernier chapitre de l'écrivain et journaliste décédé le 6 mai à l'âge de 89 ans. Il a accompagné des millions de téléspectateurs et resté populaire dans le cœur de nombreux Français, parmi eux la première dame Brigitte Macron est aussi arrivée en début d'après-midi. Dans les rues du village, de proches d'ici ou d'ailleurs, témoignent « C'était mon ami d'enfance, il a mieux réussi que moi. » Mais est toujours resté fidèle en amitié. Il venait au village, s'installait au bistrot sans chichi, un type exceptionnel de simplicité, dit Jean, les larmes aux yeux. Né la même année que Bernard Pivot. Une amie parisienne proche du monde de l'édition raconte ému. J'étais une fan de la première heure, même avant de le connaître. Il est toujours resté humble. Il était formidable et je tenais à être là pour son grand départ. Vers 14h30, la cérémonie a débuté avec un concerto de Rachmaninov. Les filles de Bernard Pivot ont lu le texte écrit par leur père, dans lequel ils remerciaient Quincy, le territoire du Beaujolais, pour lui avoir tant donné. L'une de ses filles raconte « Les livres veillent sur nous. L'argent que je dépensais dans les librairies les faisait rire, mais celui-là, j'aurais pu te les donner. » Le dernier livre lu par notre père est L'origine de l'âme de Jean-Paul Dubois. J'étais si fier d'être ta fille. Merci pour tout.